Toujours là les gens. Alors, tac, tac, tac. Prends l'arbalète. Boum, voilà. Avec de la magie, ça peut peut-être être avec de la magie, je pense. Ok. On va y aller comme ça. Excusez-moi. Ok. Ok, l'endroit peut être trop malin pour se le faire. On retourne Oups. Oh, ça c'est chouette aussi. Je prends un coup plutôt que de me racler les gorges. Direct envie de pisser d'ailleurs. Voilà, genre, hop, j'ai bu direct, ça va ressortir quoi. Bon, je vais aux toilettes, après on se le bosque dessus. Je reviens.
Heureux. Alors, sorti tweet. Il est déjà 1h-20, c'est incroyable cette histoire. Hop, ça on verra après. Pour l'instant, moi j'étais parti pour me faire le boss. Donc on y va. Même s'il y a certainement un autre boss là-dedans aussi. Je peux plus. Je me suis fumé lui là. Ça il nous en emmerde. Ah, allez, il ne m'emmerdera plus maintenant. On passe au vrai monsieur. Au vrai morceau de la game. Voilà, tac. Merde. Ça lui fait bien bien mal hein. Donc à distance je note hein. Oui 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 ok. Tu retraverses le con là. Pourquoi? Ah voilà, merci, merci, c'est très gentil. Je peux sauter. Bah ouais, pourquoi je pouvais plus faire le double saut pendant quelques secondes? Ah, c'est l'endurance, je suis bête. Évidemment. Je pensais que c'était bugué, j'aime pas regarder ma barre d'endurance.
Oh, c'est vrai que j'ai un écran quand même assez grand pour du PC, du coup j'ai pas l'œil partout. Alors. Merde, 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 merde. Voilà, on va faire des conneries, je vais crever moi. Non mais il bourre, il bourre, il bourre, il bourre. J'aurais dû faire juste full magie en vrai. Ah, Rocky Quick, mais non. T'en as mis du temps. Alors, j'ai pas battu le boss quand t'es parti. Je traîne encore une demi-heure. J'ai été mangé, je suis revenu et je l'ai battu encore au bout d'une heure, 1 heure et demie. Je crois que j'ai mis au total presque 4 heures sur le boss. Mais je l'ai vu. J'ai lâché un gigantesque cri. Et du coup, on a fini ce maudit château et là, je me balade dans la pampa de Bergerac. Il s'est passé pas mal de choses en vrai. Hop. Ah oui, et j'ai trouvé un coffre au pif, et ce coffre au pif m'a littéralement envoyé à l'autre bout de la map. Genre ça m'a fait un petit peu l'effet, tu vois dans Mario Odyssey quand tu découvres le tableau qui t'amène au dernier monde sans faire gaffe là. Et bah c'est comme ça. Genre j'ai dupliqué le tableau pour aller au château de Peach. Allez, casse-toi. Pierre cristalline, pierre le cristal opaline. Larme de cristal pourpre fondue. Regarde, en gros, tu vois, j'ai pris un coffre ici, là, dans la tour, là, au pif, et ça m'a emmené. Donc là, t'imagines que là c'est le château où on a battu le boss, tu vois, ici. Et ça m'a emmené. Voilà. Bref, on vient de battre un boss. Comment ça dans une fiole? Comment je fais pour les mettre dans une fiole ça? Parce que j'ai plein de trucs comme ça, mais je sais pas comment on les met dans les fioles. Ah, c'est pas ce que. Ah, attends. Ah, tiens. Bonjour, on se connaît. Oh, hello. I've not seen you here before. I am Nefeli Lu, warrior. Nefeli Lu. By decree of my father, the pledge is mine. As a fellow tarnished, guided by grace to the Round Table Hold. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in the study, the room entrance garden just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while.
Elle l'a classé héros, elle, pour que je reconnais le stuff. Ah oui, on a enlevé le casque de Chat Fury. Tu peux faire quelque chose du coup de Blackheart? Non, c'était vraiment genre on était sur un espèce de balcon. Il y a un ascenseur, mais il n'est pas activé parce que je me dis qu'il faut l'activer de l'autre côté. Et genre, il y avait juste un géant. Et on a récupéré genre un item, je crois. Un item plutôt craqué qui nous redonne de la vie constamment, genre un talisman qui nous redonne des PV petit à petit. Donc c'était assez broken quand même, ce qu'on a récupéré. Et ouais, du coup c'était impressionnant, juste te remontrer pour te faire plaisir. Non putain, c'est pas ça, je pensais que c'était lui qui réglait ça, tant pis. Sure to tell me if you miss a servant, she's been like in Pavlov's countenance, honestly. Ah, c'est ouvert ça aussi maintenant. Are you that new tarnished? Ah, l'augure des toits, c'est bon, on l'a trouvé. Of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread. Unabated, but the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Voilà, ça c'est vous devant Spaghetti TV, bien sûr, en exultation. Voilà. Fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not?
Je peux récupérer la hache de Godric, mais également le dragon. Sa main dragon, je peux la récupérer. Bon, la hache, c'est qu'elle est trop lourde pour moi. C'est le genre du truc où il faut. Ah putain, ça aussi, c'est trop lourd pour moi. Ah. Putain. Après, je peux reprendre l'autre truc après. Je peux prendre la hache de côté si je veux. Bon, je la note, je le garde pour plus tard. Ah ouais, je vais booster la force. Avec mes niveaux, je booste la force. Et après, je. Waouh. Je peux vraiment me battre avec ça, quoi. J'ai un petit dragon dans la main. C'est stylé. Oh là, t'es quick tout de suite. Merde. Pourquoi j'ai fait ça? Suis-je con, Chito? Putain, je suis débile, j'aurais pu augmenter mon. J'aurais pu augmenter mes griffes. Prends le gâchis, bon, c'est pas grave. Hop. C'est mine, j'avoue. Ah. Il y en a plusieurs. Arbalète noire du crêpe. Oh. Là, j'en ai pas d'autres, bah, tant pis. On peut donc avoir du stuff pété dans le coin. C'est bon. Oh merde, je m'en doutais. Mais j'ai pas mon arme sur moi. C'était totalement sûr. T'as jamais été aussi sûr. Ah. D'esquiver, c'est pas cool. Flippendo. Monsieur à l'RF. Ah.
C'est pas gentil, hein. On avait dit qu'on se battait pas ici. T'avais dit qu'on mangerait des knackis. Bon. Je le ferai plus tard, lui. Bah, du coup, je dois te montrer. Je vais te montrer là où le coffre nous a emmenés. Congélation, c'est comme saignement. Non, j'ai l'impression que dans c'est genre, il te freeze, hein, j'imagine. Regarde-moi ça, mec. On est arrivé là, totalement au pif. Il y a des bâtiments totalement infinis, quoi. Il y a une espèce de grand dragon... a été, je sais pas, on dirait qu'il est pétrifié, quoi. Il y a un ascenseur infinisant qu'on ne peut pas appeler. Ça a vraiment trop de la gueule, cet endroit. Oh là. Ouah, c'est l'infini. On dirait une grande ville, quoi. Ah ouais, il y a des murs, des remparts et tout. Oh, ça a l'air gigantesque. Enfin, Orlando à côté, c'est petit zizi, quoi. Terrible. Mais voilà. Ça va être incroyable. Encore une fois, moi je pensais que la map est s'arrêtée genre là, tu vois. Enfin, genre, je pensais qu'elle s'arrêtait genre dans le coin, tu vois. Je pensais pas que ça allait jusque là, oh bordel. Non, je me suis trompé, je voulais aller. Ici. Ce jeu, c'est incroyable l'univers, la force qui va faire passer. Ouais, c'est ça, genre, en te disant rien, genre, il t'impressionne quand même, genre, juste avec l'architecture, la grandeur de tout ce qui t'entoure, quoi. T'as vraiment l'impression d'être minuscule comparé à tout ce qu'il y a, quoi. Du coup, j'imagine qu'il y a moyen de créer d'utiliser du feu avec, du coup. Mais il faudrait qu'on ait assez de force pour le manier, du coup. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc on verra après. Ah, encore ça. Ah, j'en ai pas assez. Terrible le jeu. De rien, mec. Ça m'a fait plaisir que tu vois ça. Moi, je me dis qu'il faut l'ouvrir ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y a un mécanisme là-dedans. Ça me rappelle un petit peu les donjons de la Calice dans Bloodborne, ça. Ce genre de catacombes. Ouais, non, c'est un squelette, donc il va revenir la vie en boucle. Donc, on va juste speedrun. Tu peux pas faire trop de parce qu'il peut pas utiliser. Ouais, c'est ça, je peux pas utiliser convenablement parce que j'ai pas les attributs nécessaires pour la manier. Donc quand je vais monter de niveau, on va focus la force, hein, parce que je suis trop curieux en fait. Ah merde, encore ça. Ah bonjour.
quoi. Merde, j'avais pas vu que ça tire sur le côté. Ok. Faut que je tape dessus, je crois que c'est bon. Allez, casse-toi. Oh, violette, une erreur. Oh non. Ah. Encore un crâne causant. Ah. Ouais, mais ça suffit. On peut être amis aussi dans la vie, non? Putain, c'est par où? Où est le levier de la porte? Non, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Lol. Bon, du coup, les squelettes sont vraiment méchants. En comparaison avec Bloodborne, j'imagine. Enfin, avec Oblivion, j'imagine. Alors. Ah, là-bas, on n'a pas été voir. Ah bah si. Ah bah si, si l'on avait été. Ah c'est bon, le truc de feu désactivé, oui. Ok, ça c'est une bonne chose. Ah! Oh, c'est super. C'est super malin. Oh mais Mario quoi, le jeu c'est devenu Mario. Le coup, ah, font vraiment méchantes de vidéos. Je pensais que tu t'avais fait une faute. Ah oui, fait, ouais, effectivement, effectivement, les squelettes, c'est pas le comble de l'originalité, mais bon, il en faut bien un peu de temps en temps des petits squelettes. Hop. Pour le petit boss. Ombre du cimetière. C'est l'ombre du cimetière. Oh merde, elle fait du saignement. Oh merde, l'ombre a compris comment jouer au jeu. T'es con. Voilà, merci. Allez les loups, on y va. Ouah, ça lui fait tellement mal. Ouah, c'est... sans cœur. Ah, j'ai une nouvelle invocation. On s'est fait un nouvel ami. Cours. Ah, j'ai pas assez de... Attends. On s'est fait un nouveau copain. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Alors, ah, ça il me faut, c'est pour faire les trucs de feu ça. First try, bah, c'était vraiment, ouais, putain, ouais. Il a pas aimé la magie lui, hein, je te le dis, il a pas kiffé.
Bon, je trouve qu'il fait les meilleurs clips, hein, merci à lui. Alors. D'ailleurs, faut que je pense à monter le nouveau best-of, hein. J'ai commencé à récupérer la plupart des clips, hein. Il faut que je monte maintenant. Ouais, il y a eu pas mal de retard sur ce best-of 5 comparé aux autres. Ça va faire déjà plus d'un mois, je crois. Mais bon. C'était la hype. Alors. Hop. Ah, par contre, il nous a pas donné beaucoup de runes, le boss. On a à peine de quoi. On a même pas de quoi monter niveau. Donc, je vais. On va retourner là. Hop. On est devant un château qu'on n'a pas encore fait. Hop. Et je m'affaisse. Bon, ça se fait tard. Je suis en mode petit vieux. Je suis vieux. Hop. Ok. Oh merde. À quoi sert la tête causante? Eh ben je crois que c'est juste pour je crois que c'est juste pour MDR quoi. Je crois que c'est juste pour XZPTDR. La dernière fois on avait une qui dit bonjour, là on a une qui dit merci. Voilà. Je souhaite pour le multi je pense. Pour rigoler avec les gens. Hop. Ah, j'ai bien fait augmenter la force, je suis bien plus agile maintenant avec. Ouais. Hop, je suis bien moins lourd. Les galipettes, je les fais. Aisément. Mais bonjour, je te dis au revoir, mais du coup, ça fait court là. Ah, tu t'en vas, mon chat. Hop, je vais aller voir par là. Puis après on commencera à se faire ce château. Je sais pas si on va le finir ce soir hein, par contre. Ah, pitié, donne-moi la carte des environs. Attends, non j'ai pas lu. Non j'ai pas bien lu. Le siège du château devant Hurlant, héros solitaire combat pour se venger, hélas il succombe face au seigneur Godfrey. Ah, c'est pas l'autre, il parlait de Godfrey là, qu'on a battu Godric là.
parlais pas d'un certain Godfrey, justement? Ah, tu restes un peu, ok, c'est cool, mec. Hop. Oh, là-bas aussi un truc. On est d'accord, T-Quick, c'est ça. Du coup, peut-être que toi qui te demandais qui c'était Godfrey en plus, on va peut-être savoir finalement. Wow. Ça sert pas mal les Arteria, je sais pas à quoi ça sert, mais le jeu il m'en donne. À chaque fois il est un peu en mode genre, t'as vu, c'est stylé une Arteria, mais je sais toujours pas à quoi ça sert. Hop. Non, pour Sydney, je vais te tuer. Hop, le fier à bras, ouais. Ouais, il est reparti avec ses jeunes mots sur les bras là. On a de plus en plus envie d'y jouer. En plus, c'est cool, c'est que le jeu est tellement dense que t'auras oublié le trois quarts de ce que j'ai fait. Hop. Oh, pitié, dis-moi que c'est la carte. Péninsule larmoyante. Ok, là on est content. Là on est content, comme ça on peut un peu voir tout ce qu'on a fait ou pas fait. Genre là-haut, on n'a pas été voir là-haut. Il va falloir qu'on monte ici pour voir ce qu'il y a là-bas. Hop.
Merde, comment on monte là-haut? Comment on monte? Désolé pour l'argument de gorge, j'ai bouffé gras ce soir. Et à chaque fois, ça me fait ça. Ok. Oh, c'est tellement fini. Genre, chaque zone est ultra dense, quoi. Tout en étant gigantesque. Et ça, c'est assez fort. Qu'est-ce qu'il y a là aussi? Là, c'est une entrée qui nous indique un donjon, ça. Là, c'est vrai que... Hop. J'enlève, j'ai mis un vieux repère là, qui a rien à foutre là. Voilà, merci. Ouais, la carte est vraiment bien stylisée aussi. Ça donne vraiment trop envie de se balader, quoi. Je sens que c'est à moitié fait main et tout, c'est beau. Ok, un truc en souterrain. Ah, cool. Ah, ça doit être là-dedans. Ouais, je pense que c'est encore des petites catacombes indées, là. Je peux faire une invocation ici. Oula, ça sent le boss. Ah non, c'est encore un grand. Ah oui, on avait déjà battu un comme ça sur le bord de la plage. Une espèce d'elfe noir étrange là. On se le fera après lui. Ah, le bouclier normand. Ouais, j'ai essayé de le remplacer pendant un petit moment, mais bon. Pour l'instant, c'est le meilleur bouclier que j'ai, donc on va le garder. Bah, surtout que c'est le seul que j'ai fait forger, donc par défaut. Par défaut, c'est le meilleur, quoi. Ouais, encore des catacombes. Ouais, y a peut-être juste ça pour l'instant qui me dérange, qui m'attriste un petit peu dans le jeu, c'est que les catacombes, elles ont pas l'air très très originales à chaque fois. Mais bon, ça rafraîchit un petit peu l'expérience. Ah, quoique, on a jamais rencontré ce genre de pattern, ouais. C'est un petit peu les sanctuaires dans Resident Evil, en fait. Hop. Ah, t'aimes pas ça, toi? Il craquait mon sort, en fait. J'ai juste joué magie, les gars. Je devais rater de m'embêter au corps à corps. Alors que je peux jouer en mode facile. Ah, on a récupéré une deuxième tête de chat, c'est beau. C'est beau, ça c'est beau, franchement. Oula! Merde. Salaud! Tiens, bouffe ça, vas-y, ramène-toi, fais le fou. Voilà.
Pour ça, j'avais vu un tweet, c'était un gars qui disait genre. Dès que je suis sorti du début du jeu, je me suis dit je vais aller au sud et ça fait 6 heures que je suis au sud. Et genre, c'est typiquement ça le jeu quoi. Genre, tu peux vraiment totalement traîner dans des zones quoi. Pour vraiment les remuer à 100%. Oh merde! Oh merde! Merde, 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 merde. Oh, bah j'ai rien dit en fait, les catacombes elles sont assez différentes en fait finalement. C'est celle-ci qui m'aura donné tort. Donc on retourne à 21 sur 20 qui était ma note initiale. Hop. Oui, mécanisme. Merde. Y a sûrement des trucs à faire ici, y a pas que ça, c'est pas possible. Bah c'est chelou. Il y a une porte, forcément bien de l'ouvrir. Je peux repartir bredouille quand même. Vous avez vu un truc vous? Genre y a un qui vous a chiffonné ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que c'était que du vide en dessous. Hein. Quoi, si tu veux, on peut essayer, mais cette mort sera sur ton compte. Et t'as déjà une ardoise bien remplie.
Ah, une plante. Ah, bien vu, gentil Quick. Ouf, ouais, c'était bien ça. Je suis plus à ça après. C'est super original comme donjon. Ça marche super bien. Bravo le jeu encore une fois. Quand va-t-il cesser d'être amusant, je vous le demande. Caboche causante, waouh, une nouvelle caboche causante. Non, aïeux. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Sale zombie. Tu es un sorcier, Harry. Alors. Bah, tu es un sorcier, quoi, Gonjin? Tu es un vrai Gungan. Oula, 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 oula. Vous êtes combien ici? Beaucoup trop. Bye bye. Hein. Moi, je m'en vais. Une voix de petits êtres. Au secours! Papa, papa, papa. Au secours! Au secours! Ramon 3. Au secours! Au secours! à boire, ou je lui bouffe les artères! Je lui bouffe les artères! Bon, ça suffit, Ramon, c'est n'importe quoi ce déguisement. On te reconnaît tout de suite en plus. Alors moi je suis imitateur de petits êtres depuis ma putain d'enfance. Oh, secours! Un secours! C'est vraiment les jeux qui matrixent, hein. Ce jeu, faudrait voir qu'on se le refasse un jour aussi celui-là. Il y a vraiment des jeux qui restent dans ton esprit comme ça. Et t'as vu, moi aussi je fais l'hélico. T'étais plus gentil dans Rayman 2. Doucement, Rayman, je suis enceint. Fais gaffe, on va se faire censurer dès que je me balade tout nu. Ah là, il cul ce jeu. Ah, j'ai pas. Non, je peux pas l'invoquer, mon ami. Ouais. Ouais, bonjour. Oh non, encore toi! Encore what? Hey, il a fait! Va voir Zelda si j'y suis! Ah putain! Dans ce manuel, est-ce que tu peux faire l'hélico avec tes cheveux? Plus l'hélico avec tes cheveux, n'importe quoi.
quand Rayman 3 Open World. Rayman 4 l'Open World Breath of the Wild. Peur de toi. J'ai déjà affronté des crabes des vaches plus terrifiants. Oh merde. T'as presque fait une tuée. Regarde, Rayman, un déguisement. Bon, cendre ce. Oh! Semi-homme. Ah oui d'accord, ok, je peux pas invoquer le grand là parce que j'ai pas assez de points de magie au total. Donc l'utel l'acéphale là il verra plus tard. Par contre eux ils peuvent être sympas. Et voilà comment ça va la saucisse. Je sais que c'est trop bonne comme ça, c'est quand on les veut pas. Ah oui. Ce jeu. Oh là là. Ouais, Michel Ancel a pas bossé sur Rayman 3, par contre Beyond Good & Evil lui aussi est vraiment gratiné niveau phrase culte. Mais bon, Beyond Good & Evil, on l'a déjà fait sur Spuguiné TV, c'est évidemment un incontournable. Oh. Bonjour à vous. Ok, bah on va continuer vers le sud. Rayman 2 aussi, il est culte là, niveau bruitage. Je pense qu'on se fera... Quand on les fera, on fera directement la trilogie, je pense. Pareil, Rayman 1 sur PC aussi, j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Enfin, sur PS1. Hein. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit. J'aime particulièrement de ce fameux niveau avec l'eau qui monte, là. Avec l'espèce de Rayman Tarzan, là. Oh, c'est quoi cet endroit? Chercher 3 bêtes érudites. C'était Barbe Tranchante, le méchant du 2, je me souviens plus. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Bah, c'est un pirate. C'est un robot pirate, donc il y a moyen que ce soit ça. Mais j'avoue, je m'en souviens plus trop.
Rayman 2, j'ai joué quand j'étais tout petit sur Dreamcast, mais j'avais pété le jeu. Ah, et mon daron, il était pas content. Hein. Après, je l'avais racheté sur PS2. Version PS2 qui est sympa parce que t'as un monde ouvert et tout, et t'as aussi du doublage. Mais j'avoue que je pense que je préfère le charme quand même de la version Dreamcast. Je pense que la version Dreamcast était la plus belle à l'époque. Je pense que ça l'est toujours d'ailleurs. Et après, on y jouera sur PC, je pense. Mais Rayman 2, ouais, sur Dreamcast, il est vraiment très chouette. C'est vrai que l'open world de la version PS2 est sympa aussi, quand même. Genre le fait que tu te balades directement sur la map pour rejoindre chaque niveau, c'était vraiment sympa aussi. Oula. Aïe. Hop, merde, non, pas, merde. Non, j'ai pas envie de le tenter parce que si je crève après, je vais pas assumer. Attends, on va d'abord aller level up. Rayman me souvient. Oui, c'est bien par tranchant, tu vois, il est forcément chaud. Rayman, je me souviens surtout du niveau dans le monde de l'art. Ouais, je me souviens aussi du nom de notre musicale et tout. Et du coup, j'ai fini le Rayman Game Boy Color, je crois que j'en avais vite fait parler, parce que j'étais en train de le faire sur ma 3DS. En gros, en fait, là, mes journées, c'était je finissais le... je faisais ma session d'Elden Ring, après, je me foutais dans le lit et je jouais à Rayman Game Boy jusqu'à m'endormir. Et du coup, le Rayman Game Boy Color, il est vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. Hop. Et du coup, c'est pas un portage vu, hein. C'est vraiment un nouveau jeu en 2D. Avec, genre c'est un Rayman qui reprend beaucoup du 1, mais avec les musiques du 2 et avec des éléments de gameplay du 2. Et du coup ça marche super bien. Et surtout au crédit, à la fin, on retrouvait David Soliani. David Soliani qui aujourd'hui est le directeur de Mario et les Lapins Crétins. Parce que du coup, Rayman Game Boy Color, c'est un des premiers jeux d'Ubisoft Milan, du coup le studio d'Ubisoft en Italie. Ça je l'ai découvert que quand j'ai vu les crédits du jeu en fait. Hop. Oui, qu'est-ce que je voulais faire moi du coup? Oui, je voulais level up, je crois. Hop. Y a aussi Rayman 2 sur Game Boy Color, monsieur. Ah ouais, je joue à Rayman 1, Game Boy Color. Et du coup, il y a un Rayman 2 comme ça? Voilà, merci. Si tu me dis que c'est le cas, je vais le télécharger. Ah ouais, Rayman 2 Forever. Oh bah je le télécharge aussi du coup. Merci beaucoup. Si c'est pas le même jeu, hein. Rayman 2 Forever. Pour toi, je Rayman 2 sur Game Boy Color. Ah ouais, c'est vraiment. Ok. C'est l'histoire du 2 mais en 2D. Ok. Je pense que je vais me le faire aussi du coup. Pareil, je me suis installé aussi les Wario Land, je les ai. Quand j'étais petit, je me souviens que sur Game Boy, j'avais joué à Super Mario Land, j'avais joué à Super Mario Land 2 et j'avais joué à Wario Land 2, je crois. Qui est donc pas Super Mario Land 3, parce que Super Mario Land 3, c'est Wario Land 1. Mais du coup, Wario Land, c'est encore une des grosses séries Nintendo que j'ai pas particulièrement dosé, quoi. Du coup, soit je me les ferai tranquillement dans mon lit, soit je les ferai avec vous, je verrai. Mais après, Antistar les a déjà fait, donc peut-être un petit peu redit, je ne sais pas. Allez voir Antistar aussi, c'est un bon copain. Hop. Alors. Tac. C'est l'épisode de South Park là. Antistar l'a fait, Antistar l'a fait. La version PS1 de Rayman 2 était la seule qui avait bénéficié d'un doublage français intégral. PS1, à l'époque, quoi, sortir Rayman Evolution. Ah, la version PS1 de Rayman 2 avait déjà du doublage, je suis en train de me dire. Ah, je savais pas ça. Ok. Mais la version. Du coup, donc. Ah, oh, c'est un bordel. Alors, Rayman 2, ça joue comme ça. La version 64 a moins de temps de chargement. Mais elle est moins. Voilà. La version 64 a des temps de chargement moins longs, vu que c'est un support cartouche. La version Dreamcast est plus belle, parce que à l'époque, la Dreamcast, c'était la master, quoi. C'était la meilleure console de l'univers. La version PS1 a du doublage, mais pas les autres. La version PS2 a un monde ouvert. Le jeu Game Boy Color est en 2D. Et du coup, la version PC, c'est actuellement, je pense, la meilleure version du coup. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et surtout la plus accessible. Quel bordel. Et oui.
Et il y a eu un Rayman 2, il y a eu un portage de Rayman 2 au line-up de la DS, qui s'appelle Rayman DS. Et il y a eu un line-up, il y a eu un portage de Rayman 2 au line-up de la 3DS, qui s'appelle Rayman 3D. Ils sont forts, Ubisoft, quand même. Franchement, ils sont balèzes. Ça, on peut pas leur enlever, quand même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que ça. Mais à l'époque, Rayman 2, il se faisait tellement porter. À une époque, les gens parlaient de Rayman 2 comme Resident Evil 4 aujourd'hui, quoi. Genre, c'était vraiment le jeu, il était porté tout le temps, quoi. Genre, il pouvait pas s'en empêcher. Maintenant, c'est un peu calmé. C'est un peu dommage que du coup, Rayman 2, limite, maintenant, il est devenu un peu rare, en fait, aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça joue, je voulais tenter le ceux dans les marais là. Est-ce que je peux porter? Non, je peux encore mettre ma tête de dragon. Ça ne saurait tarder. Allez-y mes potes. C'est un bordel ce qui se passe. Parfait. Ça va totalement marouflé là. C'est tout, on n'a rien du tout ici. Il n'y a rien à récupérer. Je refuse. Je refuse. Ah, on n'a pas fait tout ça pour rien. Foiré là, pourquoi tu lâches rien toi? Bon, allons au château. Hop, je montre un petit peu le château de l'extérieur pour ceux qui l'auraient pas vu. Hop. Ah, on va pas tout faire parce que si le château là est aussi infini que l'autre château, j'irai me coucher avant quand même. Hop. En classe, il est en cool. Je trouve bien carré celui-là, comparément à l'autre qui était bien plus arrondi. Surtout bien plus coloré. Et encore, tu comptes pas les partages du premier Rayman sur PS1, Jaguar, Game Boy Advance, PC et... Ah, du coup, il y a le vrai Rayman 1 sur GBA. Pam 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 pam. D'ailleurs, en parlant de Rayman 2, est-ce que vous aviez eu cette gamme de jouets McDonald's? Moi j'avais eu des jouets McDonald's Rayman 2 quand j'étais petit et c'était trop bien. Je crois que j'en avais 2-3. Je sais pas si ils sont encore chez ma maman.
Et du coup, en fait, c'était là où tu voyais un petit peu la limite du concept de Rayman, parce que faire des jouets avec Rayman, c'est un peu compliqué, vu qu'il a pas de bras et pas de jambes. Du coup, ils étaient obligés de le foutre sur des trucs. Genre, du coup, t'as Rayman sur une grosse prune, là, comme dans le premier Rayman. T'avais Rayman sur la roquette, comme dans Rayman 2, du coup, et ce genre de choses, en fait. Du coup, ils étaient tout le temps obligés de trouver un. En gros, les designers des jouets étaient tout le temps obligés de trouver un moyen de faire tenir Rayman, quoi. Oui, t'en avais, ouais, tu les avais, mais vraiment, cette gamme de jouets, elle était vraiment craquée, quoi. Rayman sur la prune, voilà. Pour dire, à l'époque, Rayman, c'était quelque chose, hein, vraiment, il y avait vraiment cette envie d'avoir notre Mario à la française, quoi. Et, rien que le fait qu'il y ait Rayman au McDonald's, quoi, c'est pas anodin, quoi. Yeah, Rayman! Il y a même un dessin animé en 3D bien naze. J'avais un DVD qui traînait, je l'ai battu en boucle. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, t'avais aussi les robots pirates en jeu, je me souviens aussi. Oui. Oh, c'est beau cette enfance partagée. Voici le chef. Ouais, c'est ça, il me semblait bien qu'il y ait un truc comme ça, Manchot. C'est ça, ils avaient fait que 4 épisodes, le truc avait tellement bidé que ils n'ont pas continué. Et pourtant, genre, c'est un truc, genre, ils t'introduisaient des nouveaux personnages et tout, des machins que t'as jamais revus après. Je crois que t'avais même pas Glowbox, hein. Ils avaient mis que des nouveaux persos. Une cage, ouais, ça me dit un truc la cage. David Cage. Mais j'avoue que je saurais jamais dire si je préfère Rayman 2 ou 3, parce que le 3 il est très drôle, t'as plein de dialogues cultes et tout. Par contre t'as des phases qui sont vraiment chiantes. Mais Rayman 2 il est vraiment très enchanteur quoi. Du coup il est pas MDR mais il est vraiment très mignon tout le temps quoi, Rayman 2. Après, je pense que quand t'es petit, je pense que Rayman 3, tu le retiens bien plus parce qu'il avait ce côté vraiment très rock'n'roll, très années 2000, très. On se prend pas au sérieux, on rigole, on fait des blagues de prout, quoi. Hop. Je viens de phase un peu où dans le dos. Ouais, non, mais le dos aussi, il avait ses phases chiantes. Hein. Je dis pas le contraire. Hop. Après, Rayman Origins, j'avoue qu'il est sympa, mais il y avait un côté comme très répétitif à Rayman Origins. Par contre, les Rayman Legends, il était vraiment excellent, quoi. Vraiment. Tellement généreux, le jeu. Ah, mais du coup, il y a du lore, là. Ils sont vraiment à la guerre, en fait. Ah, du coup, il y a peut-être le daron de l'autre, là, qui se bat, là. Mais je sais pas s'ils sont méchants ou gentils, en fait. Alors, est-ce que si je tue la gargouille, est-ce qu'il va m'aider? Non, vous voyez, il est pas gentil, il essaye de me taper.
Ah, il est mort, oh yes. Soit pas que je refonde plus, ils ne m'ont pas marqué de la même manière. Ouais, ça, c'est vraiment deux jeux très différents, en vrai. Tout en restant des jeux de plateforme 3D, quoi. De la même licence. D'accord, on a eu un Rayman 3 sur GBA qui n'a absolument rien à voir avec Rayman 3 de la GameCube, qui est au fils d'une suite directe à Rayman 2. Oui, ouais, ça me dit un truc. Ça me dit un truc, ça me dit un truc. Ouais, c'est ça, il y a une vraie suite de Rayman 3 sur GBA, la revanche des Hoodlums. C'est un bordel. C'est vraiment, c'est, Rayman c'est un bordel. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux, mais ça arrive quand même ça arrive quand même à être un gros bordel. Hop. Et pareil, le Rayman et le lapin crétin sur DS, c'est un jeu de plateforme, alors que sur Wii c'est un party game. Un jeu de plateforme pas dingue de souvenir. Si jamais ça vous a hypé, j'ai pas de très bons souvenirs de ce jeu. Vous pouvez lire Rayman 3 sur GBA et sur GameCube. Ah ouais, frôle. C'était à l'époque où Nintendo voulait absolument baiser tout le monde avec le câble. Avec le câble GBA. GameCube. Oula, ça c'est Demon's Souls ça. Ouais, c'est totalement un mob dans Demon's Souls. Que faites-vous en prison? Pitié, aidez-moi, un sang noble coule dans mes veines. Si ces créatures hideuses me divorcent, je serai marqué à tout jamais, tout sauf ça, je ne puis endurer une pareille disgrâce. Je sais pas comment je te libère, moi. Ouais. J'ai trop envie de... Ouais. Ouh, ça a l'air d'être le boss là-bas. Ouais. On voit la porte d'un boss là-bas. Oh, c'est mignon, il essaie d'attraper les papillons. Ah non, j'ai rien dit, les papillons sont devant, donc non. L'effet de perspective m'a bien vu. Oula. Ah, j'aime bien l'effet de ma tenue. Hein. Ça fait très les froufrous. Ouais, regardez, c'est le château où on était avant, là-bas tout au fond. Hop. Château de Godric. Talisman de la lame double. Ah, au final, ils enchaînent attaque. Oh. Why not?
Non, il saute. Ne saute pas. Voilà, merci. On va déjà aller au boss. Oh. De toute façon, j'esquive la moitié du château. Alors, c'est peut-être un boss optionnel, peut-être. Ok, là, on descend par là. Encore les grosses méduses. Oh merde. Je viens de voir des images, vraiment j'ai eu le loom, j'aimerais complètement qu'il sorte ce jeu, c'est pour la fou. Ouais, je l'avais déjà vu, mais effectivement, ouais. Ça m'était un peu sorti de la mémoire. Hop. Oh, mais Castlevania. Pam 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 pam. Ça a l'air pas dégueu en plus. En vrai, l'arme a l'air viable en plus, c'est ça le pire. Elle fait autant mal que mes griffes. Elle est juste, elle a pas le côté contendant, mais. Ça marche bien, ouais, ça peut legit marcher quoi. Hop. Ah, t'as pensé à Francisca Von Karma dans Castlevania, ça marche aussi. Hein. Objection! Hold it! Objection! À l'instant! Ah putain! Bon, le fouet, on verra plus tard. Et la grosse voix de Godot en VF aussi. Objection. Objection. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, c'est Hideki Kamiya, le papa de Devil May Cry, Bayonetta, ou encore Beautiful Joe, qui fait la voix de Godot en version japonaise. C'est lui qui a enregistré les Objection. Enfin, Yigiri. Je viens d'assister à un événement paranormal.
Chimère. Ah non, c'est un boss optionnel du coup, je pense. La force est puissante en lui aussi. Putain. Je me débrouillais mieux quand j'étais à distance à lui bourrer des flèches. Hein. Merde. Ah putain, je m'en mêle les pinceaux, c'est terrible. Ah, il est prêt. Il est bientôt mort, il est bientôt mort en fait. Hop là, first try. Chez Merléonine. Est-ce pas donc fusionné? Encore un niveau et on peut utiliser notre tête de dragon. Hop. À quoi ça ressemble? Pouh, la taille du truc. Oh, la taille de la bête. Regardez-moi ça. C'est une sacrée bête. Ah, c'est une espèce de lame remplie d'autres lames. En mode le trône de fer, quoi. On y est encore. Hop. Merci pour le GG. Hop. C'était sympa comme petit boss optionnel. Je compte. Hop. Il était facile en vrai. Enfin, en vrai je pense que ouais, si j'avais pas pré-shot que la magie n'allait pas kiffer et si j'avais pas mon invoque, il aurait été galère. Mais bon, ça va, je suis content. On l'a fait à la loyale. Alors. Wow. Oh, juste le rendu. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode photo, mais en même temps, s'il y avait un mode photo, ça impliquerait que le jeu doive se mettre en pause. Et vu que c'est interdit la pause dans les Souls. Oh, mais au moins, juste pour enlever l'interface, ce serait bien, quoi. Peut-être moyen en vrai. Mais bon. La beauté d'un jeu, quoi. Attendez là du coup. Ah bah non, ah non, on est déjà. Voilà, en fait ouais non, c'est. Faut mieux retourner à l'entrée du coup. Et
pense qu'on va s'arrêter là tranquillement pour cette session. Putain, 5 heures de stream. Oh. T'en as fait combien de temps cet après-midi? Putain, 5 heures de stream. Putain, j'ai fait 4 heures cet après. Oh. Non, attends, c'est pas possible. Non, attends, non, me dis pas. Waouh. 9 heures de stream, les gars. C'est facile. Au moins un tiers à juste travailler sur le même boss. Hein. Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. Ça fait beaucoup, hein, franchement, ça fait beaucoup. Oh, mais quel jeu aussi. Oh. Oh, là, là, là. On peut se marier avec un jeu ou pas, vous pensez? Combien d'heures de jeu, là? Putain, déjà 20 heures de jeu. 20 heures de jeu, on a fait ça. Et je suis sûr qu'on n'a même pas tout vu dans ce qu'on a fait là. Il y a encore plein d'autres trucs. Est-ce que vous y croyez à ce jeu? Moi, ça me semble être surréel. Hop. Hop.